Alors, moi, je m'inspire beaucoup de livres anciens, de gravures, d'anciennes illustrations, surtout, ça me touche. Et puis aussi des images qui sont dans ma mémoire, des images que j'ai pu voir enfant, et qui restent là, qui m'ont marqué. Pour Jim Curious, je suis beaucoup inspiré de... d'images de mon enfance. Voilà, j'aime aussi que voilà, ces images provoquent quelque chose en moi. Enfin, ça crée un choc. Voilà, les images qui créent des chocs visuels. Voilà. Mon travail est une recherche d'expérience visuelle et narrative à chaque fois, différente pour chaque livre. Et justement, c'est ce choc, cette rencontre avec, pour Jim Curious, c'est la rencontre avec une paire de lunettes 3D qui va créer un choc chez moi et me donner envie de faire une histoire. Et à d'autres, pour d'autres livres, le choc a été une rencontre avec une personne qui existe vraiment. Et ça me permet à chaque livre d'explorer un nouveau monde. Et c'est ça que je trouve très, très excitant, d'être un explorateur. Alors, je ne suis jamais venu à Taïwan, je suis déjà allé en Asie, je suis allé à Beijing ou je suis allé en Inde. Et j'ai très envie de venir à Taïwan pour deux raisons déjà, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est une île et j'aime beaucoup les îles. Je trouve que c'est un... Justement, les îles font appel aux images de l'enfance et donc aux récits d'explorateurs, d'exploration. Et en même temps, Taïwan a l'air très contrasté entre les immeubles, la ville et la nature, la montagne et la mer. J'ai très envie de voir ça et les gens ont l'air très, très accueillants, très gentils. Et voilà, je suis très impatient de voir tout ça et de dessiner aussi. Voilà, de dessiner là-bas. J'ai très envie. C'est bien. Alors, hier, j'ai acheté un spray pour contre les moustiques. Oui. Mosquito. Oui. Et voilà, parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de moustiques. Oui. Non ? Cette saison, c'est elle, je n'ai pas envie de me retrouver couvert de boutons. Et puis sinon, effectivement, j'ai envie de, voilà, de me rafraîchir. Il y a la mer, il y a la montagne pour trouver la fraîcheur. Et puis manger des glaces, goûter plein de bonnes choses. Et voilà, boire des jus de fruits, des choses comme ça. Ça donne très envie. Oui, je pense que... Je n'aurais juste pas envie de porter le déguisement de Jim Curious parce qu'il doit faire très très chaud à l'intérieur. Oh, c'est bien. J'ai envie de goûter tout, okay. De tout tester. Oui. Mais effectivement, s'il y a une chose que j'aime bien découvrir quand je voyage, ce sont les nouveaux fruits, aller dans un marché et découvrir les fruits que je n'ai jamais vus et les acheter, les goûter. Donc je pense que je choisirai le fruit, j'espère que c'est la saison de la voix qui s'appelle.
Ça sera la saison, vous pensez? Je ne sais pas. J'aime beaucoup voyager seul, mais en même temps, quand je vais venir à Taïwan, je serai avec des amis. Donc je pense qu'on va, aussi passer plein de bons moments ensemble. Mais je trouve que quand on voyage seul, on peut facilement rencontrer des nouvelles personnes. Et ça, c'est important dans les voyages. Enfin, ça peut être important dans les voyages de rencontrer des gens. Mais on va, voilà, on sera 3-4 illustrateurs et j'ai mon ami éditeur français qui sera là. Donc je pense qu'on va, passer un bon moment tous ensemble, à découvrir tous ensemble le pays et on est ravis. Voilà. Oui, ouais. C'est vrai parce que. Thank you.